Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge où, comme d'habitude dans mon jeu, il pleut. Nous sommes le jour 4 de l'été et on n'a pas encore eu de soleil digne de ce nom, de canicule digne de ce nom, comme d'habitude on a en été. Non, moi l'été, il pleut. Et on a le chat qui est réveillé. Ah, Rudy vous offre le spectacle d'un gros caca qui pue. Super. Ça, c'est de la qualité. Commencer un épisode comme ça, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, hein, n'est-ce pas? Allez, on laisse un pouce bleu pour ça. Ouf. J'avais oublié à quel point tu puais la mort, ma pauvre. Aïe, 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 aïe. Allez, prends-toi un bain, là, ça te fera du bien. Allez, repose-toi, dors, enfin, dors dans ton bain si tu veux. Mais en tout cas, lave-toi, on veut plus te sentir. Non, 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 non. Mais j'avais mis une truc. Mais normalement, il y a une truc. Pourquoi ça fonctionne pas? Faut que je change tout dans la chambre. Je comprends pas. Je pourrais mettre le bureau là. Oh. Ou alors sacrifier. C'est casse-couille, hein, ce monstre-là. Non, mais au pire, tu retournes faire une sieste, là. C'est elle fait, elle. Non, mais toi, tu dors. Mais vous avez une lampe anti-monstre. À un moment donné, je comprends pas. Casser les pieds. Et je peux vous présenter la nouveau look de Meryl. Alors, je lui ai coupé les cheveux, je lui ai mis une petite frange. Et ça lui va beaucoup mieux. Bon, alors, elle a toujours cette grosse bouche, hein, ça c'est indéniable. Voilà. Mais elle est mignonne, hein, mais ce sera quand même. Je doute que ce soit ma préférée. En tout cas, bah voilà, elle a été relookée, ça lui va bien. Je lui ai mis un beau petit style, bien sophistiqué, bien sympa, vous allez pouvoir. Bon, ça c'est sa petite nuisette de nuit, donc. Effectivement, bon, vous pouvez pas juger trop. Et elle a toujours les yeux rouges, hein, ça. J'ai rien changé là-dessus. Et elle a le nez de son père, en fait. Logique, elle a le nez de. Elle peut pas avoir le nez de sa mère, parce que sa mère, elle a un creux. Et là, son nez est beaucoup plus droit, donc elle doit avoir le nez de son daddy. Voilà pour l'information. Et puis, bah, vous verrez au fil du temps, je pense, son look. Et voilà, vous pouvez voir un des looks de Meryl avec cette combi jaune. Ça lui va super bien avec son teint. Et alors, la combi, c'est un CC, et la veste, c'est un CC aussi. À part, ce n'est pas une tenue complète. Et ça rend trop bien, quoi. Donc, voilà. J'aime beaucoup. J'ai testé comme ça sur elle, et ça allait super. Le collier, ça reste un collier du jeu, hein. Je crois que c'est dans Chien et Chat. Voilà, un nouveau look de Meryl. Et Ludwig, il joue avec le chat, alors que. On a Carla qui roupie à côté, quoi. Tout va bien, tout est normal. C'est la logique. Ouais, Ludwig, tu vas bientôt partir, hein. Faudrait que tu manges un truc et puis tu vas nous faire un servir le brunch des une omelette. Tiens, une bonne omelette qui va bien. Tiens, Joris. Ouais, vas-y, Joris, passe. Tu es le bienvenu. Viens si tu veux. Tu nous fais quoi, Joris, là? À peine tu rentres à la maison, tu dis même pas bonjour. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, oh, il va jouer au PC, bah voyons. T'as pas de PC chez toi? Par contre, faudrait peut-être que tu te lèves, non? Je sais pas, à un moment donné, il est midi et demi. Tu es un petit peu fainéant, tu vas prendre une portion d'omelette. Et tu seras bien, et puis tu pourras travailler un peu. Oh, c'est le jour de loterie, j'avais pas fait attention. On va acheter un ticket de loterie. Et écrire un nouveau livre de genre fantasy. Ça, tu auras pas mal de thunasse. Et toi, du coup, aussi, mon petit Ludwig, tu pourras acheter. Je suis pas sûre qu'on puisse acheter. Si, tu peux acheter un ticket de loterie aussi, comme ça, si on gagne, ben, ce sera tout bénef, quoi. On sera à l'abri de tout pour avoir un manoir. Et si on gagne, promis, vous avez, pour la prochaine génération, vous pouvez faire aussi la maison. Mais genre la maison de ouf quoi, avec un budget. Je crois que c'est 1 million qu'il y a la loterie, je suis plus sûre. Je sais pas, j'ai déjà vu, mais
Je sais pas combien on gagne vraiment, mais voilà, on verra. Bon, il y a peu de chances qu'on gagne, mais on va toujours essayer. On va peut-être penser à t'habiller. Là, t'es quand même à moitié à poil. Habille-toi. Voilà. Wayne! Wayne, il a envie de... Hein? Bon, tu vas flatter... Oh, la petite, elle parle. Tout va bien. Et lui, qu'est-ce que tu fais, Ludwig? Bon, il pleut, tu me dis, hein, y a pas grand-chose à faire. Hein. Va courir un peu, du coup. Oh, Heidi qui envoie un message pour l'anniversaire, c'est sympa. Eh, hey, gentille maman. Maman qui est au fond du trou. Qu'est-ce qu'il y a, Chouquette? Va jouer un peu à la poupée. Vas-y, va jouer un peu à la poupée. Ah, non, tu as rencontré Isabelle. 4 nouveaux fitnesseurs. Yann. Ok, très bien. Tu vas acheter un billet de loterie? Faut qu'il soit gagnant, celui-là. Ça fera plaisir aux abonnés qui pourront faire une maison de dingue. Bon, j'en ai déjà eu des très très belles, hein. Je suis très contente de la maison que j'ai choisie. Mais bon, qui sait? Avec 1 million de Simflouz, là. Pff, budget illimité. Hein. Oh! Mais on dirait presque qu'il arrête de pleuvoir. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es fiévreux. Viens manger. Tu vas manger ça. Et tu iras faire une sieste après. Voilà, tu iras te reposer un peu. Nantil d'aller monter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire... Ah, d'accord, elle va nettoyer. Ouais, quelle est logique, cette gosse. Elle est logique. Et ils ont ramené un enfant. Un enfant. Ils ont ramené un petit enfant quelque part. Je sais pas où. Le gamin, il va peut-être pas trouver l'entrée de la maison, hein, parce que bon, j'ai l'impression que c'est compliqué ici. C'est juste un peu compliqué. Va manger, Nantilde. Lui, il mange. Ouais, après, c'est bon. Toi aussi, tu vas manger. Par contre, après, tu feras tes devoirs. Toi! Faut que tu sois drôle avec 5 sims différents pour... Pour ton aspiration. Je vais essayer de faire ça. Hein. Est-ce que ça marche? Oui, 2 sur 5. Et à compétence 3... De la comédie. Je crois que j'ai jamais été au bout de As des blagues. Je crois que je l'ai jamais fait. Voilà, tu vas pouvoir faire une blague. Ah, Joris s'en va. Tu vas pouvoir faire une blague à ta petite sœur. Et puis ça va augmenter encore 3 sur 5, c'est bien. Puis ta mère, et puis ce sera bon. Hein. On arrivera bien déjà à avoir monté ton aspiration. Toi qu'à faire. Bon, mais Joris, tu peux y aller maintenant. Elle bosse. Lui, il fait son jogging. Non? Ils sont en train de chanter. Mais qu'est-ce qu'il fout, mais. Ah, Rudy a vieilli! Oh non! Mon petit minou! C'est un vieux chat! Oh, déjà! Ça va trop vite! Oh non, Rudy! Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Vas-y, fais des macaronis au fromage si tu veux, mais si tu fous le feu à la baraque, je te défonce. Hein. Oula! Pourquoi ça gueule? Qu'est-ce qui se passe? Diamant pour les Sims, d'accord. Va te coucher, mon petit Norman, ça te fera du bien de te reposer un peu. Oh, c'est horrible ce son-là! On n'entend que ça entre la musique et la télé, laisse tomber quoi. Oh, bah oui, pauvre petit Rudy, j'ai l'impression qu'on l'a adopté il y a 3 jours, quoi. C'est nul. Il va déjà mourir alors que... Pff. Oh. Est-ce qu'on a encore des friandises du vétérinaire? Mais qu'est-ce que... Car là, c'est pas pour toi, ça, c'est pour tes enfants, hein. Oui, ah là là, elle garde tous les jouets pour elle. La saleté. Voilà. C'est qui toi? Ah bah c'est le petit garçon qui était censé venir, bah oui, que j'ai pas qui finalement. Il est là? Ok, mais toi aussi tu peux te présenter. Eh, il n'y a pas d'âge, hein. C'est parce que toi t'es ado et que lui il est encore enfant que vous allez pas faire des bébés ensemble plus tard, hein. Qui sait? Ça dépend de la tête qu'il aura. Ça c'est Meryl en tenue de sport.
qui va courir pour se vider l'esprit, pour améliorer ses compétences personnelles, puisque la, le contrôle des émotions est dans le rouge. C'est le seul truc qui est dans le rouge, donc on va essayer quand même. Allez! Aujourd'hui, c'est la journée footing. Il a arrêté de pleuvoir, donc on en profite pour aller fou faire un petit footing dans la nature, parce que bon, sinon, ils vont jamais... Elle va pas maigrir, et puis Rudy, Ludwig, il est un peu gras quand même. Ça y est, toi, tu t'es calmé, ça va mieux? Ouais, ça a l'air, c'est bien, il contrôle ses émotions. C'est parfait, Norman, c'est parfait. Elle, qu'est-ce que tu... Tu vas pas dormir, non, à cette heure-ci? T'es bête ou quoi? Tu veux bien que tu... Non, tu vas jouer au docteur un peu. Voilà, ça te fera du bien. Ludwig, il s'était perdu dans la nature. Tu vas me prendre un bain. Oh, tu vas le nettoyer, la baignoire avant, et tu vas prendre un bain de mousse pour te relaxer, te faire du bien, tout ça. Oh, ben dis donc, en étant en présentation amusante avec le petit là, elle a validé un truc de son aspiration, c'est cool. Mais dans ce cas, tu vas lui raconter une blague. Toc toc, qui est là? Et puis, amical, tu vas... Non, tu vas parler, tout simplement, faire connaissance. Voilà, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu risques d'être mignon, mon petit... comment il s'appelle déjà? Il a plus de nom? Romain. Fais voir ta tête. Oh, et des jolis yeux, en tout cas. À voir, avec le temps. Ah bah voilà. La pluie est revenue. Se voir dans les conseils. Non, 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 tu peux te barrer, Ludwig, de la baignoire, s'il te plaît. Tu t'en vas. Elle va venir prendre son bain, Carla. C'est bientôt l'anniversaire d'Odile. Ouais, tiens, tu vas prendre aussi un bain de mousse. Va te faire du bien. Parce que là, t'es un peu cracra, un peu beaucoup même, je dirais. T'en as mis plein sur ta robe. Je suis horrible. Oui, moi aussi. Mets un peu de maquillage. C'est vraiment sympa. Bah tartine-toi la gueule de fond de teint, quoi! Ça ira mieux, tu feras moins peur! N'importe quoi. Bon allez, avant la fin de la journée, tu vas retravailler un petit peu. On y sera peut-être riche d'ici peu de temps, mais pour l'instant, nous ne le sommes pas. Enfin, avec 16 000 de côté, c'est bien, mais voilà. Autant travailler en amont pour être sûr d'avoir encore plus derrière. Bah, elle aura pas mis longtemps. Elle a fini son bouquin. Allez hop, tu vas mettre ça. Tu vas te faire un peu de yoga avant d'aller au lit parce que t'es encore en forme. Donc tu iras après. Voilà. Ce sera pas mal. On va attendre le tirage au sort et puis tu seras bien. Tu pourras nous dire si tu qu'est-ce que tu vas faire. Et ça va pas du tout, hein. Pourquoi tu vas t'asseoir sur la balançoire? Pourquoi? T'es rebugué avec ton parapluie. Ok. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez, Sims. Allez. Un peu de zénitude. Hein? Je vous invite chez vous à faire la même chose. Ça, oulala, oulala, ça fait mal. La preuve, elle a encore un peu de mal. Il est minuit et demi. Les résultats, c'est à 2 h. J'espère. Ce serait trop bien si on gagnait, punaise. Ce serait trop bien. Ouais. Niveau 4. La compétence bien-être. Ça va être bientôt les résultats de la loterie. Attention. Dans quelques minutes, on va savoir. Oh, qu'est-ce qu'on va savoir? Oh, croisons les doigts. J'ai peur d'être déçue. Il y a tout le monde qui est déçu. Hein, donc. Alors? Ok. Mais on sait pas qui c'est qui a gagné? Mais je sais pas. Ah non, c'est le lendemain matin, c'est ça? Ah, d'accord. Bon allez, tu vas être couché du coup. Je pensais qu'on le savait tout de suite, moi je sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors nous aurons la surprise. Très bien, pour l'épisode prochain, nous aurons la surprisette. Savoir qui a gagné les sous ou pas. En tout cas, moi je vais vous quitter pour cet épisode. Je vous laisse là-dessus. Donc suspense jusqu'au prochain. Vous me direz dans les commentaires si vous pensez qu'on a gagné ou pas.
Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!